Et salut à tous les amis, c'est Léonix, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Skyrim. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc voilà, cet épisode il sort 2 semaines après le suivant, alors que j'avais dit un épisode par semaine. Ouais, malheureusement en fait j'ai fait l'épisode, je l'ai tourné, et au moment où j'ai voulu le mettre en route, impossible de tomber dessus. Et quand je dis impossible, ça n'a pas enregistré la vidéo. Donc, je vais faire un petit résumé de l'épisode. Donc, après avoir récupéré la corne, enfin, après être allé faire le donjon de la corne, cette corne-là, alors, objet, ça doit être dans divers. Voilà, cette corne-là, la corne de Jurgen, ou Jurgen. Donc, il y a une lettre en disant. Va à Rivebois, demande telle chambre. C'est un ami qui te parle. Donc, on va à Rivebois, on parle à une femme. Nous avons des chambres et de la nourriture, de quoi boire Cette aussi. femme Je nous cuisine. donne accès Apporte ici, là, à un cette armoire qui est en fait une base. Elle nous dit que justement, les dragons ne se réveillent pas comme ça. Ils sont pas revenus, en fait, ils sont morts. Ils reviennent à la vie. Voilà le plan du cimetière des dragons. Que je récupère. Et elle dit si mon. Comment? Si ma théorie est bonne, le La prochain chance de vous dragon qui va repérer être une chambre et réveillé de parler à sera à Delphine. tel endroit. Une des premières que j'ai Voilà. apprises. Quoi? C'est elle, c'est Maintenant, Delphine. la chose vous embarrasse encore? Notre amie. Et donc on va au lieu. Alduin est là, il réveille un dragon, tout le dragon. Enfin, il nous croit qu'on est l'enfant de dragon. Et basta. On s'est retrouvé ici. Nous, maintenant, on va reprendre l'épisode. Du coup, la quête, hein, sans qu'il y ait de. Sans qu'il y ait de. Comment? De problème, là, j'ai bien vérifié. Je récupère ça. Alors, F, tac. Voilà. Bon, maintenant, dans les quêtes. Retrouver la solitude. Ah oui, justement, on doit aller voir l'étalement. Et pour ça, pour aller voir l'étalement, mais par contre, moi, c'est le seul d'avoir le quête à la corne. Celui ou celle qui s'est emparée, voilà. Rapporter la corne à Agnir. Enfin bref, donc nous. On doit aller à Solitude. Hop. On va se téléporter ici. D'ailleurs, il me semble bien qu'à cette zone-là, se trouve un des 8 prêtres d'un coup. Oh, je sais plus combien ils sont. Ah bah non. Pas du tout, c'est pas du tout là. Là, c'est une des quêtes. Oh, bah, on est parti. Hop, la petite course. Nécessite une clé. J'ai jamais su où était la clé de cette cabane. Ah. Je devrais courir. Question de vie ou de mort?
Toi aussi t'es coincé, mon pauvre ami. Je vais t'aider. Je t'ai aidé à te sortir vive. Non, mais non, pas vivant. Et de cette souffrance, je t'ai libéré de la souffrance éternelle, du froid. On va continuer notre course. Mais à la solitude en vue. Oh, vous ne devez pas voir grand chose, hein. C'est normal. Hop. Parce que je suis. Hop. Je peux respirer sous l'eau, ça c'est vraiment le kiff. Je peux fuir un combat. Bon, après, je sais qu'il y a un enchantement pour le casque qui permet de respirer sous l'eau. Par contre, j'étais tombé une seule fois dessus et incapable de me souvenir où est-ce qu'il est. Il est dans un donjon, c'est tout ce que je sais. Mais encore, si ça se trouve, les loots sont aléatoires. On grimpe la solitude. On grimpe la solitude. Alors je regarde si ça enregistre toujours. Ça enregistre toujours. Position. Svari, tu dois rentrer à la. Hey mec. Vas-y. Ça va? Allons. Vous nous avez trahis. Vous devriez lui dire que son oncle est une vermine qui a trahi le haut roi. Il vaut mieux qu'elle le sache maintenant, Advar. T'es moche. Rogvir, vous avez aidé Ulfric Sombrage à fuir la ville après que celui-ci ait assassiné le haut roi Torrig. En ouvrant les portes à Ulfric, vous avez trahi le peuple de Solitude. Il ne mérite pas la parole. Il n'y a pas eu meurtre. Vous mentez. Ulfric a défié Torrig. Il a vaincu le haut roi en combat singulier. C'est notre façon d'être. Telle est la coutume de Mordociel et de tous les Nordiques. Bouh! C'est toi qui as dit ça? Bon, sur ce, je crois que tu vas perdre la tête, hein. Tu vas pas échapper à la mort comme moi je l'ai eu au début. Je vais à Sovngarde. Et ben voilà, il est mort. Hop. Je vais fouiller, toi. N'hésitez pas à me solliciter. Amulette de Talos. Faites attention avec ça. Il a eu une belle. Bon, bref. Il a perdu la tête. Moi, je vais continuer la quête. Oh, ça rime.
semble qu'il y ait toujours davantage à faire. Je peux vous aider ? Bien sûr. Il vous faut quelque chose ? Vraiment ? C'est vous qu'elle a choisi ? J'espère qu'elle sait ce qu'elle fait. Écoutez, je peux faire entrer de l'équipement en douce dans l'ambassade. N'apportez rien avec vous. Les Talmor ne plaisantent pas avec la sécurité. Ouais, ouais. Donnez-moi ce dont vous avez absolument besoin, et je ferai en sorte de le cacher dans l'ambassade. Le reste dépend de vous. Oui. Attendez, il faut que je me prépare. Quand vous voulez, voilà ce qu'il me faut. D'accord. Je ferai entrer... Votre travail consiste à vous introduire dans la soirée sans être démasqué. Je me charge du reste. Et il s'est passé quoi, là ? F9. Je suis désolé, mais je crois que ça a complètement bug. Et ça me reprend là. Oh. Là, 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 là. Y a pas de sauvegarde auto dès qu'on prend un... Sérieux ? Il me semblait qu'il y avait des sauvegardes auto, moi, dès qu'il y avait un chargement comme ça. Alors, on a perdu 10 minutes de vidéo. Quand même. Et du coup, ça va être un épisode plus long. Vraiment, aussi pour me pardonner de l'épisode qui n'est pas ta, qui n'est pas apparu. Oui, qui n'est pas apparu. Qui n'est pas apparu en temps et en heure. Bah forcément, quand il y a eu ce souci-là, bah, j'avais pas le temps d'en retourner un autre épisode, ni de vérifier c'était quoi le problème. Et là, normalement, j'ai trouvé c'était quoi le problème. C'était juste manque de place, manque de mémoire. En fait, j'ai eu une seconde de vidéo, même pas. S'avancer encore un tout petit peu au niveau des recherches des zones. Tu vas remonter, oui. Le dragon. Même au-dessus de ma tête. Ah ok, d'accord. Ça je prends. En fait je suis passé à côté sans même... Excusez-moi, c'est désagréable pour vous. Bon, je vous avais prévenu aussi, hein. Je vous dis, je vais éternuer. Alors, qu'y a-t-il au fond de l'eau ? Des algues et de la terre. Un caillou. Donc on continue le chemin, on va revoir l'autre qui va en par la tête. Hop, petite sauvegarde. Ah, maintenant, les sauvegardes, j'avais dit la dernière fois, sauvegarde.
Ah mais j'oublie. Mais je sais pas du tout ce qui s'est passé. Quand je lui ai parlé à Reborn, là, ça me l'a quitté, mais ça m'a fait ok, la quête achevée. Et je lui ai rien donné. Donc je suis sûr j'aurais continué. D'une, il y aurait eu une sauvegarde auto. Et de deux, bah, j'aurais aucune arme. J'aurais été dans le caca. Si vous êtes à Solitude pour rejoindre la Légion, adressez-vous à... Oh, ta bouche. Voilà, on rentre. Chargement. On va faire une sauvegarde rapide. Tu vois la sauvegarde automatique. Dites-leur qu'il est innocent. En position. On s'en fout de l'autre qui perd la tête. Oui. Vraiment? C'est vous qu'elle a choisi? J'espère. Écoutez, je peux faire entrer de l'équipement en douce dans l'ambassade. N'apportez rien avec vous. Donnez-moi ce dont vous avez absolument besoin, et je ferai en sorte de le cacher dans l'ambassade. Le reste des... D'accord. Je ferai entrer ceci à l'intérieur de l'ambassade. Il faut que j'y aille. Ne vous inquiétez pas, je vous retrouve à la soirée. Hop, ça, la dague, les flèches. Flèches, c'est très important. Ça, ça j'en ai pas besoin, tenue. Ça, 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 ça. Alors j'ai besoin en potion. En potion, potion, potion. Ah, potion de soin, potion de soin. Parchemin, ça s'en fout. Ingrédients, ça s'en fout. Livre, ça s'en fout. Clé, ça s'en fout. Divers. Alors, dans les. Tac, tac, tac. Ça, on prend. Sport. Vide. Hop, contient A. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Votre travail consiste à vous introduire dans la soirée sans être démasqué. Ouais, mais ça je sais. Au moins là, la quête elle a bien été activée. Votre travail consiste à vous introduire dans la soirée sans être démasqué. Je me charge du reste. Saumon à vendre. Oui. Tenez-vous à carreau dans ma ville, mon petit gars. Je ne vous souhaite pas de voir ma hache en pleine action. Ouais. Le gars il est déjà mort, en fait. Ceux dont le sang de loup-garou coule dans les veines ne peuvent bénéficier des bienfaits d'un repos réparateur. Votre travail consiste à vous introduire dans la soirée sans être démasqué. Oui, ça je sais. Ah, mais du coup, moi, je suis tenu. Ah, parce que j'ai donné tout mon équipement. Tiens! Donner à Malborn les choses. Oui. J'ai votre invitation à la réception. Mais le ce qui veut dire que vous devez en avoir l'air et que vous ne devez porter aucune arme sur vous. Tenez, mettez ça. Je garderai le reste de vos affaires jusqu'à votre retour.
Vous n'aurez que ce que Malborn aura fait passer pour vous, plus ce que vous pourrez trouver à l'intérieur. Vous ne pouvez pas aller à la maison. Alors, objet. Tenue. Voilà. De l'ambassade de Talmor dans cette tenue. Voilà, là, je suis beau gosse, là. Bon. Je te reparle. Il faudra se contenter de ça. Vous devriez donner le change sans trop de problème. Au moins jusqu'à ce que vous ouvriez la bouche. En route pour l'ambassade. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez tout intact à votre retour. Contentez-vous de revenir en vie avec les informations que nous avons besoin. Mais oui. Bonne chance. Mais oui. Ce que je veux, c'est rentrer. Bienvenue à l'ambassade du Talmor. Votre invitation, je vous prie. Merci, monsieur. Entrez. Bienvenue. Je ne crois pas que nous nous connaissions. Je suis Hélène Wen, l'ambassadrice du Talmor en bord de ciel. Mm-hmm. Et vous êtes ? Je me nomme Léonix, c'est un plaisir. Quelle fête ? C'est ma première, vous savez. Où puis-je trouver un verre ? Je vois exactement ce que vous voulez dire. Ne vous inquiétez pas. J'offre toujours les meilleurs mets et les meilleures boissons de la région à mes invités. Mais... vous étiez en train de vous présenter. Parlez-moi un peu plus de vous. Quel bon vent vous amène en bord de ciel. Qu'est-il, Malborn ? C'est que nous sommes à court de vin alto. Ai-je votre permission pour elle déboucher ne le reconnaîtra cette bouteille jamais, de rouge arisien ? Je vous ai déjà dit de ne pas m'importuner avec de telles broutilles. Bien, madame l'ambassadrice. Mes excuses. Nous essaierons de faire plus ample connaissance un peu plus tard. Passez un agréable moment. Merci, madame. Pour qui sait comment gagner de l'argent ? Que désirez-vous ? Voilà pour vous, monsieur. De la colo de vie. Je crois que vous avez déjà assez bu. Je crois que c'est la première fois que je vous vois à ce genre d'événement. Et je connais tous les gens importants de bord de ciel. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, pardonnez-moi. Je ne savais pas que vous étiez là. Permettez-moi de me présenter. Razela. Je suis dans l'import-export. Et mon passe-temps, c'est d'observer la nature humaine. Ah, vous êtes la seule personne généreuse au milieu de tous ces grippe-sous et parasites. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous, n'hésitez pas à demander. Bah oui. Merveilleux. Comme ça... je pourrais vous remercier de votre générosité immédiatement. Je vous écoute. C'est tout ? Vous vous adressez à la bonne personne. Faire du tapage, c'est un peu ma spécialité. Reculez et admirez le travail. Mais oui, j'ai confiance. Votre attention ! Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît ? J'ai une annonce à faire. Vite, dépêchons-nous, avant que quelqu'un ne nous remarque. Notre maîtresse, au sens figuré, personne ne voudrait la voir. Bien que... voilà.
Voilà. Alors, hop, objet. Tenue. Tac, 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 tac. Jusqu'ici, tout va bien. Espérons que personne ne nous a vu nous éclipser. Nous devons traverser la cuisine. Votre équipement est caché dans le garde-manger. Mais c'est moi, je l'ai déjà... Je me suis déjà... Comment ? Laissez-moi parler, d'accord ? Suivez-moi. Que quelqu'un m'apporte à boire ! Et vite ! Alors... Est-ce que vous voulez ça ? Qui est là, Malborn ? Tu sais bien que je n'aime pas les odeurs étranges dans ma cuisine. Un convive qui ne se sent pas bien. Il vaut mieux ne pas s'en occuper. De la visite dans la cuisine. C'est contraire aux règles. C'est génial, hein, Tsavani. Mais en fait, je croyais que c'était interdit de manger du sucre lune. Je devrais peut-être demander à l'ambassadrice. Sortez, je n'ai rien vu. On ne peut gagner. Je vais verrouiller la porte derrière vous. Votre équipement se trouve dans ce coffre. Je vous conseille de réussir. Vite, si quelqu'un se rend compte que je ne suis pas à la soirée, notre compte est bon. Je suppose. Je vous laisse à présent. Bonne chance. Qui est là ? Comment mourir en 30 secondes? Sérieusement, le gars, il arrive et il meurt. Oh là 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 là. Bienvenue. Et vous êtes? Ah oui, parlez-moi. Excusez-moi. Y a-t-il de vous interrompre? C'est que la grande guerre est terminée depuis longtemps. Ai-je votre permission pour déboucher cette bouteille de rouge d'Arentia? Je vous ai déjà dit de ne pas m'accompagner avec de telles routines. Et profitable à tout. Bien, madame l'ambassadrice. Je ne dis pas contraire. Hop, je fais rapidement. Voilà pour vous, monsieur. Hop. De la colodie. J'ai en effet vu quelque chose d'intéressant il y a peu. Plusieurs cagites campaient en dehors des murs de Blancherie. Qu'est-ce qu'il faut? Ah, pardon. Permettez-moi de me présenter. Ouais, tenez, voilà. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour... Merveilleux! C'est tout! Reculez! Et admirez le travail! Votre attention! Que puis-je faire pour... Ah! Vous avez... Espérons que tout se passera bien. Bien sûr! Je vais voir s'il nous en reste une bouteille. Je vais attendre auprès de la porte. Vite, dépêchons-nous! Avant que quelqu'un ne nous remarque! Hop. Voilà. Hop, je fais beaucoup plus vite. Hein. Arme. Tac. Très bien, c'est bon, lâchez-moi. Je serai sage. Jusqu'ici, tout va bien. J'ai fait une sauvegarde. Vous avez nous éclipser. Nous devons traverser la cuisine. Votre équipement est caché dans le garde-manger. Restez près de moi et laissez-moi parler, d'accord? Suivez-moi. Qui est là, Malborn? Je vous laisse à présent. Bonne chance. S'agit-il de nouveaux exécuteurs du traité de l'émissaire? Vous avez entendu quelque chose? Faut cacher. T'as rien vu. Il ne m'a pas vu. Pourtant, je suis devant lui, hein. Finalement, y a rien.
Je vais récupérer ma flèche. Amiral Fitz, ça je prends. Je prends. Pas rien d'autre d'intéressant. Donc, bah voilà. On continue à avancer dans cette fameuse éternité. Je pars me cacher. Je n'ai pas été vu. Ça c'est bon. Je trouverai le coupable. Voilà. J'ai encore envie d'éternuer. Sauvegarde. Ah non, sauvegarde tout le temps, c'est bien. Comment il a fait pour être à l'intérieur de ce chien? Il y a l'autre bout d'or? Oh, c'est pas grave, j'avais une sauvegarde d'auto. J'ai dû les faire fuir. Pourquoi il y a une sauvegarde auto là? T'inquiète pas, je vais la voir. Tout simplement, me fait augmenter d'un niveau. Et je, il me semble que je peux augmenter de 60. C'est plus des morts. Je
Voilà. Comme ça, déjà un en moins. Et voilà, on est rentré dans la chambre. Mais j'ai besoin de cet argent. Je l'ai gagné. J'attends aussi que je prends le silence. Vous êtes de présumer de rien. Nous avons d'autres informateurs qui sont moins insultants. Personne d'autre ne vous a apporté d'aussi bonnes informations, n'est-ce pas? Étienne, il a parlé, n'est-ce pas? Il sait où se trouve le vieillard que vous cherchez. Il me l'a dit lui-même. Vous aurez le reste de votre argent lorsque nous aurons confirmé son histoire, comme convenu. Alors il a parlé, je le savais. Toutes les langues finissent par... Bien. Voilà. Toi, tu ne touches pas, toi. C'est de me passer la clé. Si je récupère, c'est pour un peu. Toujours servir que j'ai pris du pain, ça je m'en fous. Destruction, flèche en acier. Hop, je récupère cette flèche. Ça, c'est tout galère, ça. Ouais, mais ça ne m'apporte que dalle en expérience. Désolé, mon vieux, mais. Il veut que je te tue d'une petite flèche dans la tête. Donc, voilà. Et moi, je continue, je crois ça. Tac. Caché. Je ne sais rien d'autre à ce sujet. Je ne suis pas ici pas pour vous torturer. Qu'est-ce que vous voulez alors ? Pas le temps d'expliquer. Ouais, bien sûr. D'accord. Venez, j'ai vu les gardes passer par là pour se débarrasser des corps. Ça doit bien mener quelque part. Pas de problème. Merci de m'avoir sauvé. Je vous dois une fière chandelle. Passez me voir à Fayez si vous vous en sortez. Accrocher, tac tac. Bon, tu te dépêches?
J'ai vu des gardes traîner des corps là-bas. Il y a peut-être une... Ils m'ont mis la main dessus à Fayez. Certainement. Ils recherchent un... J'ai vu un type à Fayez qui pourrait être... Pas de quoi fouetter. C'est tout. Maintenant, sortons. Là. Écoutez, espion. Vous êtes piégé ici. Et nous, ne restons pas ici. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Merci, en plus ça me l'a apporté jusque là. En fait, je crois savoir c'est quoi qui les a tués. Ça devait être le dernier mec qui doit être là. Ah non, mais c'est Malbor. Oh, Malbor. Je suis triste, pauvre Malbor. Tu es mort en héros, Malbor. Malbor est mort en héros. F5, hop. Il m'a fait peur, cet abruti. Ah, l'abruti, il m'a fait peur. Je voulais m'enfuir, sauf qu'il y avait une marche. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est bon. J'ai réussi à fuir. Je sais pas comment, mais j'ai réussi. Bon, bah les amis, ça fait 45 minutes que je suis avec vous. Donc il est caché derrière le mur. Donc voilà, ça va être maintenant que moi je vais vous laisser pour cet épisode-là. Alors, en espérant que le gène occasionné du manque de 2 semaines ne vous a pas trop dérangé. Donc merci de partager, de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu et un commentaire. Moi ça me fait plaisir. Donc je vous dis à très bientôt les amis. Allez, ciao à tous, bye.